I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, that I'm going straight ahead with this car. Yo, salut tout le monde, bienvenue dans une Naruto. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous allez tous très bien. Moi pour ma part ça va. Alors aujourd'hui on va faire le 8ème épisode des Replay Ninja. Donc voilà, alors on aura pour notre premier combat Juju the Ebi avec son Neji, Neji grand et Hinata, Neji en mode défensif et Hinata en mode équilibré, et Raizen Evil avec son Sasuke, Hinata en mode défensif et Sasuke Susanoo mode offensif. Et nous jouons sur la vallée de la. Donc voilà, alors, le combat a déjà commencé. Pour l'instant, bah voilà, ça enchaîne entre les deux. Hinata qui est passé pour Neji, Neji qui enchaîne. Est-ce qu'il a passé un combo complet? Neji enchaîne. Ah, Hiro enchaîne. Ah, Raizen Evil s'est permuté. Neji enchaîne en l'air. Combo aérien, Raizen Evil a tout permuté. Déjà la punition dès le début. Ouh, le Sasuke qui est venu accueillir Neji au sol. Ouh là là, Sasuke tente de faire passer. Ouh là, ça n'est quand même pas passé. Encore des mille oiseaux, mais Hinata fait bien son job. Elle contre bien les mille oiseaux de Sasuke. Voilà, Neji qui enchaîne. Ouh là là là, Sasuke qui réenvoie Neji. Et voilà, Raizen Evil veut enchaîner en l'air, mais cette fois-ci, Neji s'est permuté. Ouh là là, déjà, qui passe en mode éveil. Mode éveil pour Raizen Evil. Raizen Evil qui enchaîne. Ah, ça passe pas. Allez, Sasuke qui enchaîne. La Hinata. Ah, la Hinata qui est passé sur son dernier coup. Au passage, Neji avait utilisé son rouleau de deux permutations automatiques, mais il a déjà été usé. Voilà. Ah là 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 là, lui aussi passe en éveil. Neji passe en mode éveil. Est-ce qu'il va enlever? Ah là 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 là. Il a enlevé un peu de chakra, mais les mille oiseaux sont passés de la part de Raizen Evil. Juju Ebi quand même qui domine pas mal ce combat. Voilà, il recharge son chakra. Lancer de kunai, histoire de déstabiliser son adversaire, le dash. Ouh là, le tourbillon divin qui a contré Hinata, qui a empêché Hinata de faire son coup. Tentative du mille oiseaux qui est passé. Ouh là là, il voulait faire un tourbillon divin, mais le combo terrestre a eu l'avantage, les mille oiseaux. Ouh là, c'est pas passé. Combo Hinata, Neji qui a enlevé, mais le Sasuke qui a viré tout le monde sur son passage. Tentative de TSA 3, la TSA 3 qui n'est pas passé. Ouh là là, Sasuke lui aussi veut lui montrer qu'il a de la TS dans... Qui a de la TS. Ouh là là, ça enchaîne. Encore un tourbillon divin, mais cette fois-ci, pour la deuxième fois, il a voulu dégager la Hinata et il a balancé une sphère explosive. Voilà, Neji tranquillement qui ressort son chakra. Les shurikens. Raizen Evil qui est sur la défensive. Oh, c'est quand même très chaud pour les deux. Encore une fois, le mode éveil de Sasuke. Cette fois-ci, ça va être déterminant. C'est soit Raizen Evil, soit Juju. Oh, les mille oiseaux. Les mille oiseaux qui sont passés. Il a retourné. La situation, la chope. Oh là, le marteau pion passé de la part de Raizen Evil. Oh là là, c'est incroyable. Moi, je croyais sincèrement que Juju Ebi allait gagner au vu de ce qu'il nous avait montré au début du combat. Raizen Evil qui était sur la défensive. Donc, très bien joué de la part de ces deux. Et on va passer au combat suivant. Alors, 1068 Xbox Live a pris son Neji, l'équipe Guy, quoi, avec Lee en mode offensif et Tenten en mode défensif. Et ce gamer tag imprononçable avec Kabuto cap de serpent et avec Orochimaru en mode offensif et Anko en mode équilibre. Donc déjà là Anko qui ne passe pas mais qui fait passer Neji en mode offensif, en mode défensif plutôt. Voilà le Kabuto qui s'est protégé de la Tenten, suivi d'une chope. Tentative de thèse de Neji, mais alors on l'a facilement contré de la part de Kabuto qui a lancé sa nécromancie. Voilà Kabuto qui enchaîne, un dash arrière, histoire d'esquiver sa sphère explosive. Voilà, Kabuto qui dash. Oh là là, Anko qui n'est pas passé. Kabuto qui a envoyé son Orochimaru. Encore de la nécromancie. Neji qui enchaîne. Voilà, Kabuto situation qui enchaîne. Ah, Mika sur un Netflix de Slav, il n'a plus de permute. Et ce gamer tag imprononçable, je vais l'appeler comme ça, n'a plus de permute non plus. Et il a fait une shot, Neji. Tentative de tourbillon divin, mais cette fois-ci qui ne fonctionnera pas. Dash de Kabuto, ah le Neji l'a accueilli, mais le Orochimaru qui a empêché Neji de poursuivre son combo. Donc voilà, ah la nécromancie histoire de gicler un peu Neji est là quand même. Ouh là, ça enchaîne, encore de la nécromancie. Et la chope qui est passée pour Kabuto.
Voilà, ce combat est très 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 serré, mais Milka domine de peu, plutôt mène de peu, parce que c'est pas une domination. Voilà, Neji qui recule un peu, histoire de recharger son chakra, mais les deux se lancent des shurikens, histoire de se déstabiliser, pour voir lequel des deux va craquer, quoi. Ça, pour l'instant, Neji s'est pris les shurikens, et s'est repris les shurikens. Ah, Neji avait quand même lancé ses pluies de kunai. Le Orochimaru qui est passé sur le dernier coup. Ah là là, Kabuto qui a tenté sa TS. Oh, le Rock Lee. Ah, le Rock Lee qui a protégé Neji. Tentative de test. Encore le Rock Lee. Eh, le Rock Lee fait un travail formidable pour Neji. Voilà, lui, il a voulu balancer son truc. Tentative de test à 3 qui ne fonctionne pas. Ah, lui aussi veut lui montrer qu'il peut faire de la TS à 3. Enchaînement, ça enchaîne de la part de Neji. Neji qui enchaîne. Ah, le Rock Lee, il est vraiment utile dans ce combat. Neji qui a fait un combo complet. Le combo complet de Neji avec le renvoi de Rock Lee. Neji qui enchaîne. Tentative de TS à 3 par derrière. Et ça ne fonctionnera pas puisque il a de la permute. L'Anko qui passe. Tentative de TS à 3 encore une fois. Mais cette fois-ci, la chope qui ne l'a pas vu passer. Et voilà. Ah, il a lancé son poison. Encore de la TS à 3 alors qu'il voit que son adversaire se protège. Oh, la tentative de chope. Et Neji a vu le coup. Et il lui a balancé sa sphère explosive. Allez, Kabuto qui dash. Ah, Neji qui fuit pour peut-être voilà, récupérer ses permutes. Et aussi ses soutiens. Là, Neji passe en mode éveil. Tentative de 1, nécromancie qui passe pas. Encore de la nécromancie qui ne passe pas. Ah, la nécromancie qui ne passe pas encore. Oh, par contre, le Orochimaru fait passer. Ah là, il a voulu empoisonner. Il a tenté d'empoisonner Milka. Allez, Kabuto qui enchaîne. C'est terminé pour Milka. Oh, c'est non. Le tourbillon divin. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette chance? Non, je rigole. Non, mais waouh, c'est pas possible. Deux fois, nous avons eu deux fois un sauvetage in extremis dans ces combats. Donc, on va passer au combat suivant. Voilà. Alors, Ninos Kalashnik avec son Kabuto, Orochimaru et Karin. Et Drazigeek avec son Naruto, Tsunade mode offensif et Saiya mode équilibre. Donc voilà. Allez, le combat se joue sur l'arène d'entraînement. Alors déjà que Naruto veut prendre déjà l'initiative dans ce combat. Déjà, Naruto veut pas laisser respirer Kabuto. Voilà, lancer son chemin. Ah là, il a bien vu le coup du Rasengan avec la Karin. La chope qui est passée de la part de Kabuto. Voilà, Kabuto qui enchaîne un peu de chakra, scalpel de chakra totalement inutile alors que Naruto est par terre. Ah, Ninos n'a plus de permute, mais il a Orochimaru qui ah, il a pu virer Naruto. Alors c'est quand même très rare que quand on lance un soutien, que ce soutien en question vire son ennemi d'un combo qu'on se prend dans la gueule, mais là ça a bien fonctionné de la part de Ninos. Et alors Ninos se fait enchaîner en l'air. Là, Ninos qui n'a pas l'initiative dans ce combat, malgré qu'on nous lance quelques soutiens utilement, mais bon, ça ne fonctionne pas. Ah là 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 là, ah, la chape pendant la Karin, ça c'est assez bien vu au vu de la situation auquel il subit. Voilà, avec l'équilibré de Sai qui lui permet en plus de balancer quelques kunai en plus. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris Sai. Et voilà encore qui balance des shurikens. Ah, la Tsunade qui n'est pas passée. Encore des kunai. Le Rasengan qui n'est pas passé. Voilà, Kabuto qui enchaîne en l'air. C'est son moment maintenant. C'est son moment. Ah, la Karin. La Karin qui n'est pas passée. Je pense que la Karin peut être déterminante dans ce combat. Et il a lancé du poison. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal joué de la part de Ninos qui peut lui permettre d'arracher un tout petit peu de vie sans rien faire. Mais la chope est passé du côté de Naruto. Ah, la Tsunade qui va passer, le Orochimaru non plus qui n'est pas passé. Ça tente des dash. Ah, cette fois-ci ça enchaîne. Et alors, la défensive qui a bien fait son travail. Voilà, deux shuriken qui ne sont pas passés. Et la Karin qui a forcé Naruto à se permute. Tentative de champ qui ne fonctionne pas. Ah, il a plus de permute Naruto, c'est son moment. Ouh là, il a utilisé la pilule. Je pense que c'est une erreur. Ah, il a quand même perdu pas mal de vie dans ce combo. Naruto qui enchaîne, il va briser la garde de Kabuto. Non, il s'est permuté. Ah là, Naruto qui enchaîne, cette fois-ci, il veut pas laisser Ninos respirer, il a plus de permute.
ça va être terminé, et non, ça n'est pas terminé. Voilà, un shuriken, hop, oulalalalala, la Karine qui n'est pas passée. Ah, le Ninos qui a balancé du poison. Oulala, ce combat va être encore serré, et le Orochimaru qui est passé précédemment lors de son dernier combo, et ça enchaîne en l'air, hein, ça enchaîne en l'air. Avec Kabuto qui enchaîne, avec l'aide de la Karine pour briser la garde, la Tsunade qui n'est pas passée, Ninos qui a deux barres de permute. Oulalalala, Crazy Geek a utilisé sa pilule. Ah là là, ça est déterminant. Oulalalala, moi je crois que Kabuto allait encore terminer, mais Orochimaru a fait un demi-tour pour terminer le Naruto. Donc c'est assez, ça c'est bien vu, c'est assez bien vu de la part de Kabuto. Et donc, on a eu des combats absolument incroyables dans ces trois quand même. Notamment le Neji qui a... Lors du deuxième combat, Neji qui a eu un peu de chance sur le coup. Heureusement que Kabuto n'a pas fait gaffe du coup du tourbillon divin. Mais c'est assez bien joué de la part des trois quand même, hein, qui nous ont fait un combat mais totalement incroyable. Donc voilà, si vous aimez ce replay, vous connaissez la musique, hein, mettez des likes. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous voulez passer dans les replays Ninja, c'est très simple. Vous allez dans le topic de judo.com dans la description. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.